閻魔界で発生した大事故により悪の木の集合体邪念魔が現れた。邪念魔により巻き起こされたあの世とこの世の大騒動を収めるため、 Z 戦士たちは未知の強敵に立ち向かうのであった。Et salut à toutes et à tous, ici Kalion. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1. Et aujourd'hui, on va faire le chapitre qui est encore qui contient un seul combat comme d'hab, Dojamemba. Donc là, par contre, ça va être un combat de ouf, hein, parce que Gogeta et Jamemba sont deux personnages que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je les trouve trop, trop charismatiques. Ça, c'est un peu moi dans ma tête. Voilà. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Oh là là. Bien. Prends ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça va, ça va. Oh. Et donc, ouais, on fera très certainement un tournoi encore. En espérant ne pas se faire défoncer. Oh, il en faut beaucoup d'énergie pour le deuxième Kiko alors. Ah, oui, non, je comprends mieux. Si c'est le Final Flash, ouais, il faut toute la barre carrément. Tu vas me laisser charger, oui. Allez, rip! Cette ultime est tellement stylée. Quoi? Non! Oui! Ah, c'est bon. Ouh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Cette ultime est tellement stylée. Ils ont fait un effort quand même là sur la mise en scène, c'est pas mal. Ok. Zetto 戦士たちの活躍により邪念魔は倒れ、あの世とこの世には再び平穏な日々が訪れた。Z 戦士たちは世界を守る決意を新たにしつつ、それぞれ平穏な日々に戻っていった。Donc voilà, nous avons terminé ce chapitre de Jamemba qui était très rapide puisque nous sommes à 3 minutes de vidéo. C'est génial. Enfin, 4. Peut-être même 4,5 en comptant l'outro et l'intro. Mais bon, du coup, forcément, on va faire un tournoi. Hein. Nous n'allons pas nous laisser ici. Quoique, attendez, c'est quoi le chapitre suivant en fait? Parce que s'il est pas court, je peux éventuellement le faire. Parce que 3 minutes. Bon, les précédents qui ont été assez courts, ça a duré au moins 7-8 minutes. Or là, ouais, 3 minutes c'est bof quand même. Pam pam pam. Je veux ce portail, s'il vous plaît. Ok. Ah, ça m'embête parce que moi j'adore en plus faire. Vous savez, genre chapitre par chapitre. Bon, allez, fuck. On va faire Super C17. Eh là, j'ai bugué.
地獄から現れた新たな人造人間17号ともう一体の人造人間17号が合体し、究極の人造人間スーパー17号が誕生した。2人の狂気の天才科学者が生み出した超難敵を相手に、 Z 戦士に勝ち目はあるのか。Je pense que celui-là il n'y aura qu'un combat aussi. Ouais voilà, donc on a bien fait de le faire. Allez c'est parti, on va botter le train de Super C17. Et puis c'est tout. Voilà. どんなこけ落としに姿を変えようと、貴様の負けだ、孫悟空。こけ落としかどうかはやってみねえと分かんねえ。地獄に戻れ、孫悟空。Allez c'est parti. Par contre la voix de Super C17 en japonais, j'ai déjà l'impression de l'avoir entendue dans Boku no Hero. Alors quel personnage je sais plus, mais je suis persuadé qu'il double l'un des personnages. Bon t'arrêtes la mitrailleuse là, putain, j'avais oublié à quel point c'était aussi long quoi. Ouais c'est ça, casse-toi ouais. Ah c'est qui quoi? Ils ont pas l'air ouf dans celui-là hein. Ça a pas l'air d'être l'enchaînement, le Kamea x10 et le point de dragon qui quoi au final quoi. Je me suis trompé. Est-ce que je peux jouer? Tiens, prends ça. Ah, mais je me trompe tout le temps. Ah ouais. C'est le moment. C'est le moment. Ouais. Oh, j'ai tellement de tempo. Non, c'était pas simple, j'avoue. J'avoue que ce n'était pas simple. Bon bah écoutez, on aura fait 2 chapitres pour le prix d'un aujourd'hui, c'est pas mal. Ok, bon on va quand même faire un tournoi. Ok, ouais, on va faire un tournoi. On va sûrement se faire étamer, mais c'est pas grave. Après tout, on en est plus à une près hein, de racler. Hihi. Toujours pas débloqué, d'accord. Juste voir si j'ai tout fini à 100% pour l'instant. Si je me suis pas auto-bait. Ok. Bon. Alors, le championnat. Alors, maître. Pam, pam, pam. Allez, on va jouer Bou. Parce que Bou, il est trop bien, Bou. Oula. Ok. Toi, bien. Donc, on va jouer contre Zabon. On va lui péter les deux genoux. Come on, dude!
ろしいですね。はじめ。Ah mince, je pensais l'avoir évité. Boum! Ouais, ça c'est tout à fait vrai. J'aurais pas dit mieux. Majin Buu senshu. Shousha. Ouais, Ansel Junior, super. Trop bien. Se calmer le Nimbus 2000 là. Allez, tombe. Hop. Tellement facile, oh là là. Majin Buu senshu. Shousha. Normal que je puisse gagner, j'ai trop fort. Héhé. Putain, on se tape que des nains ou quoi hein? Qu'est-ce qui se passe? Quand on partir. Ok, à ton tour. Petit martien. Ah, il a dit Yamete, hein. Qu'est-ce que j'ai horreur, ces coups, ils ressemblent à rien. Il va falloir que t'arrêtes de dire Yamete parce que ça mérite le poil, mais sévère. Hein. Je déconne pas. Oh. Arrêtez de dire Yamete, à un moment il faut grandir. Hein. C'est pas vrai ça. Il l'a dit 40 fois en l'espace de 20 secondes. Ouais. Ouais, on se fight contre des Nimbus. Pas mal. Ah, faut que j'essaie un truc. Attendez. Oula, j'ai pété un plomb sur ma manette là. Mais il va arrêter de faire la même technique tout le temps. Hein. Bon bah j'ai perdu. Ah bah non. Je pensais que j'allais perdre parce qu'à chaque fois, vu qu'il fait deux fois le même truc et après il me projette... Hein. On va affronter Timo. Non, parce que c'est giga perturbant. Et la voix anglaise, c'est la même que Timo astronaute. Je vous laisse imaginer le truc. Ah mais non, mais on avait dit pas les bijoux.
Arrête de lâcher des esquives, c'est blasant. Allez, casse-toi, j'ai gagné. Voilà. Le mec, il me sort des dégâts d'outre-tombe alors que moi, je ne lui fais strictement rien. Je vais le taper, je vais me taper moi-même, vous savez, je vais perdre de la vie en le tapant. Allez, je suis premier. Et c'est sur ce magnifique tournoi du championnat du monde que je vais vous laisser pour cet épisode numéro 21. Dans le prochain épisode, nous ferons un portail, je ne sais pas lequel encore. Je sais pas si on va faire le championnat du monde avec Goku enfant ou si on en fait un autre. Je vous avoue que j'en ai strictement aucune idée, sachant que tous les autres ça doit être un seul combat, donc j'en sais rien. Nous verrons. Ouais, on verra. Du coup, bah, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et puis à la prochaine. Allez, salut !